Oh, regardez ça, il y a déjà de la lumière et tout sur cette île. C'est la première fois que je tombe sur des îles, voyez, avec autant de trucs à visiter ou quoi. Là, on va vraiment prendre notre temps. Je pense qu'on va déjà pouvoir se faire un radeau. Non, je peux pas, il me faut une voile. Il me faut un plancher en bois pour le radeau. En tout cas, pour le moment, c'est la misère. Ça démarre... j'allais dire ça démarre assez mal, mais non, franchement, on est déjà stuffé de ouf. Ça démarre mal sur le fait qu'on est en train de boiter. Putain, mon vieux, où est-ce que j'ai rangé ma machette dans tout ce merdier? Impeccable, elle est là. Et aujourd'hui, messieurs, dames, on va peut-être bien pouvoir se faire une attelle, réparer cette vilaine jambe cassée. Et bienvenue aujourd'hui pour la suite des aventures sur Stranded Deep, aventure modée. Oui, puisque comme vous le savez, il n'y a aucune île d'origine dans le jeu. Je les ai absolument toutes changées. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions pour me demander comment ai-je fait pour changer les îles dans le jeu, tout ça. Eh bien, je vous répondrai tout simplement d'aller sur un site qui s'appelle Nexus Mod. Et vous allez voir, vous avez plein de modes de Stranded Deep. Et de là, vous pourrez télécharger les maps que vous voudrez. Alors, j'ai vu que vous étiez bien chaud pour la suite des aventures. Ça me fait extrêmement plaisir. On a eu presque 2000 likes sur le premier épisode. Pas tout à fait. Est-ce qu'on pourrait les atteindre pour cet épisode? Ce serait vraiment génial. Et ça me montrerait que vous êtes super chaud pour la suite des aventures. On a eu 39 partages pour la vidéo. Pareil, je pense qu'on pourrait monter un petit peu tout ça. J'ai ramassé du bois. Bien sûr que j'ai ramassé du bois. Regardez ça, on va tout de suite réparer cette vilaine jambe cassée. Crac! On va enfin pouvoir gambader tel des lapins. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah bah voilà mon gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai froid, j'ai soif, j'ai quelque chose. Je pense que notre santé va remonter tout doucement. J'avais pas ramassé des fruits, il me semblait que si. Regardez-moi ça, le jour se lève. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, on avait laissé notre radeau en bois qu'on a commencé à construire. On n'avait pas pu le finir parce qu'il nous manquait de la corde. Mais là, j'en ai sur moi, donc ça va être super cool. J'ai cru apercevoir quelqu'un qui m'était familier. Ou j'ai peut-être halluciné. Ai-je halluciné? Impossible. Ça devait certainement être un mirage. Mais où te caches-tu, Marie-Madeleine? Bon, alors très bien, continuons. Que nous fallait-il pour faire une voile? Parce que je crois qu'on en était là la dernière fois. Hein. Un tissu? Pas de problème. Alors, ouh, et ben voilà. Je pense qu'on va tenter d'aller là-bas avant que le requin nous tombe dessus. Oh là là, juste regardez-moi ça. Il y a des îles là-bas. Celle-là a l'air énorme. Celle-là en face a l'air énorme. Donc je vous le répète, mais aucune île n'est d'origine. Il y a des trucs bizarres là-bas sur cette île. Oh, il y a tellement de trucs à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de trucs à visiter sur les îles. Oh putain, ça, je sais pas si ça fait mal les espadons comme ça là. Les espèces de marlins. Je me casse, je me casse. Alors je fais gaffe aussi de pas marcher sur des trucs qui pourraient nuire à la suite de notre aventure. Ah voilà les mecs, voilà, voilà, voilà. C'était exactement... Je ramasse. Oh. Je ramasse. Je ramasse. Il y en a des trucs à ramasser dans le coin, mon gars. Ça pop comme par magie. Est-ce qu'il me faut le marteau dans les mains? Ah ouais, attendez, il me faut mon marteau. C'est toujours en panique que je traverse les océans. Ah oui, également. Oh là là, mais j'ai mis des... De toute façon, voilà, j'ai mis tellement de trucs, je vous jure, sur la map. J'ai mis des bouts de map sur le jeu. Alors, c'est même pas des bouts de map, hein. C'est des maps tout court. Ça s'appelle des eaux dangereuses. C'est-à-dire que va y avoir voilà, des eaux dangereuses, tout simplement. Comment pourrais-je vous décrire ça mieux que ça? Ouh, jour survécu 3, regardez, lui, il me fout les boules, franchement. Alors, mon marteau. J'avais un marteau. Tididi, tididi. Je construirai mon radeau. Tididi, tididi. Et où est-ce qu'il est, d'ailleurs, mon marteau? Ah bah, il est là. Putain, j'en ai 4, mon gars. Bah, si avec ça, j'arrive pas à construire un radeau... Je comprends R. Alors. Et voilà mon gars. Eh bien, qu'en dites-vous? Elle est plutôt jolie, non? On va se faire un petit gouvernail. Parce que c'est important tout de même. Oh, il me manque un tissu. Attendez, bougez pas. En avant, mon gars. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de gouvernail. Donc, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Au revoir. À bientôt. Attends, mes coffres. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Viens ici. Viens ici. Non, non, il faut qu'on se fasse un gouvernail. Non, non, parce que là, c'est des coups à dériver, mais je ne sais où. Bon, attendez, on va refaire des planches de radeau, là. Construction, véhicule. Crac, on va le mettre là. Voilà, il est pas mal. Hop, 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 hop. Tu t'en vas où, mon petit? Reviens là, reviens là, reviens là. Alors aussi, j'avais parlé d'une île, les Goonies. Donc, il y a des gens qui ont reconnu le film, bien sûr.
connaissent. J'avais kiffé ce film à l'époque avec Sinoc et tout. Et donc il est vrai que c'est une des îles où il va y avoir une mission à faire. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un de la communauté qui a créé cette île et qui a créé sa mission à faire dessus. Mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Quelle mission? Est-ce qu'on va devoir explorer des grottes, trouver des bouts de papier, je ne sais guère, trouver des trésors? Je n'en sais absolument rien, les mecs. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient quel genre de mission il y a à faire dans le jeu ou quoi, je ne sais pas du tout, je vous assure. Je suis comme vous, je découvre total. Voilà, niveau supérieur artisanat. Eh ben ça, c'est pas mal, tiens. Est-ce que je vais pouvoir poser mon gouvernail maintenant? Et bah voilà mon gars, là on peut partir à l'aventure les mecs. Bon, on va faire nos bagages et on va se casser de là hein. Attends, bouge pas. Je vais foutre ça à la flotte, on va voir si ça marche. Oui. J'ai planté mon gouvernail dans le mauvais sens. Les mecs, merde. Ah du coup c'est ma voile que j'ai plantée dans le mauvais sens. Bon, on fait le plein, on prend nos bagages. Ça va être l'heure de partir à l'aventure. Oh, j'aurais pu l'emmener au cas où, tu vois. J'aurais pu faire une remorque. Est-ce que je peux pas l'emmener Putain, mon vieux, je tente des trucs, mais... Ça va jamais le faire, quoi. Putain, c'est dingue, ça. Je peine à délaisser mes affaires, hein. Et je veux tout ramener, hein. Peut-être que ça va le faire, comme ça. Allez, on va essayer. Ça marche. Tant mieux. Ça marche pas. Je crois que ça va pas marcher. Je sais, c'est con, mais je vais absolument emmener mon radeau avec moi, tu vois. J'ai pas envie de le laisser là, comme ça. Attendez, bougez pas. Voilà, on va faire ça. On va essayer de le mettre vraiment bien au milieu. Et on est parti sur la grande île, là-bas. Ou sur une des... Je sais pas où est-ce qu'on est parti, mais on est parti. Je prends des risques, là, hein. Je sais pas pourquoi je m'obstine comme ça. Allez, j'ai trouvé la combine. On a notre radeau, on va aller sur la grande île là-bas. Vas-y, c'est y part, mon gars. Il y a une île là-bas aussi. Ah, j'aurais dû laisser... Oh, quoi que non, tu me diras. J'ai déjà une hutte. J'allais dire, j'aurais dû laisser une lanterne. Alors, je ne sais pas ce qu'on va trouver sur cette île. Tout comme les autres, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver sur toutes les îles. Mais s'il y a autant de trucs à visiter que sur la petite île qu'on vient de voir... On n'a pas fini, les mecs. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, vraiment... J'espère que vous aurez autant de plaisir à suivre les prochains épisodes, tout comme vous avez suivi le premier, voire plus, puisque là, on est parti dans de la découverte totalement inédite. Et franchement, ça a l'air de tenir mon affaire. Hein. Alors, normalement, chaque île comporte un nom. C'est pas normalement, c'est sûr. Chaque île comporte un nom, avec une petite description, une petite histoire. Soit il y a des petits trésors à trouver dessus, soit il y a une petite mission à faire. Vous voyez, ça dépend en fait. Mais ce que j'aurais dû faire, clairement, c'était faire un petit dessin sur une... Il y a des bris flottants, pneus as drifted, very far away. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que j'aurais dû faire, c'est un dessin sur une feuille, dessiner un petit peu la map et noter un petit peu chaque île que je visite ou quoi. Ça aurait peut-être été pas mal à faire, je pense. Et je pense que c'est ce que je ferai dans un futur épisode. Dessiner la map, voir quelle île j'ai visité... Lesquels j'ai pas visité. Ça aurait été bien si à chaque fois ça te donne le nom de l'île dès que tu atterris dessus. Regardez comment elle a l'air énorme celle-là. Là on est déjà full stuff pour un début d'aventure. C'est un truc de ouf. Oh oh, j'entends un requin. Par contre s'il me retourne mon radeau, ça va pas le faire. Obligé, on va la retrouver la marée Madeleine. Elle est forcément ici, regardez. Ça m'a bien l'air d'être un petit nid douillet. Ouh, regardez. Et là-bas il y a encore une grande île qui se dessine. Juste là-bas derrière, je sais pas si vous la voyez dans la brume. Il y en a une à côté aussi. Nous, on vient de là, là où il y a toutes les épaves de bateaux, épaves d'avion. Alors, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit dans les commentaires, est-ce que tu peux commencer par le triangle des Bermudes? J'ai envie de voir ce qui s'y trouve ou quoi. Je vous le dis, c'est totale improvisation, cette aventure. On va commencer par les îles qui se trouvent devant nous et puis on va... Voilà, on va naviguer au fil des flots. Hein. On ira là où le courant nous emmène, là où le vent nous mène. De toute façon, il n'y a qu'une seule île. Oh putain, et celle-ci derrière là-bas, elle est grande, hein. Elle a l'air énorme. Comme je vous dis, il n'y a qu'une seule île qui est d'origine, c'est celle de départ. Par contre, comment ça galère à avancer avec le radeau, je pense qu'on va s'en débarrasser, on n'aura pas le choix. De toute façon, il ne nous servira plus à rien. Si on fait un radeau de compète, ça va être bon. Regardez-moi ça, comment elle a l'air énorme, cette île. Il y en a une énorme aussi derrière, il y en a une énorme là-bas. Alors, il y a des îles mystérieuses aussi à trouver. Voilà, ça s'appelle comme ça, île mystérieuse. En fait, non, il n'y a pas des îles mystérieuses. Il y a une île mystérieuse. Misset achèvement Island Hopper. Cannot be awarded on a custom island. Ça va nous dire ça sur chaque île qu'on va visiter. Puisque toutes les îles sont customisées. Oh là là, hey, comment ça a l'air glauque mon gars. Il y a un bateau là-bas à visiter. Alors on arrive de nuit. C'est pas forcément la meilleure période pour arriver sur une île. On va monter ça sur la plage. Voilà. Ok. On est pas mal au niveau de la soif, machin, nana, tout ça. Quelle heure est-il? Il est 5h31.
ça va pas tarder à faire jour. On est en bonne santé, on a une attelle, c'est parfait. De toute façon, on a ce qu'il faut, on a encore des rations dans les coffres et tout. Normalement, on est pas trop mal. Je pense qu'on va commencer par faire une cabane directe, hein. Ça va faire jour. Allez, on va commencer par ça, c'est parti. Au moins, on aura ça de fait. Et puis, on a cette grande île à visiter, hein. Sur quoi va-t-on tomber? Mystère, mystère. Oh, regardez-moi ça. Le soleil se lève. Oh là là, c'est super joli. Par contre, Stranded Deep, hein, toujours le jeu, mais graphiquement, en tout cas, au niveau des effets de lumière et tout, hein, parce que c'est vrai que bon, il y a toujours mieux graphiquement, mais vraiment, au niveau des effets de lumière, des shaders, tu vois, il est vraiment magnifique ce jeu. Bon, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut faire une hutte? Il nous manque 3 sticks, une corde. Normalement, de la corde, j'en ai dans mes coffres, hein. On va pouvoir en trouver sur l'île directement. Voilà, en même temps, ça va nous permettre de visiter un peu. Je pense qu'on va partir par là. Oh, bah regardez-moi ça. On a un bateau déjà à visiter. Une porte. Ok. Dans laquelle il n'y a rien. Demi-tour. Oh, regardez ça. On a des pneus. Alors, ça pourra éventuellement nous servir pour améliorer le radeau. On a un étage. Je pense qu'on va aller y faire un petit tour. Éventuellement, pour nous y trouver un petit coffre. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, bah, écoutez, pas mal de trucs. Ce qu'il y a, c'est que mon inventaire est déjà plein. Oh là là, non, mais il y a tellement... Mais comment tu veux que je ramasse tout? Je ne peux clairement... Je ne peux pas. Je suis obligé de laisser ça là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des pièces de moteur ou quoi? Je suis obligé de laisser ça là pour le moment. Oh, par contre, ça, c'est dangereux ce que je fais. On va pas commencer par se péter une jambe. Oh, regardez, l'île en face, là-bas. Mais ça a l'air énorme aussi. Oh, c'est quoi ça? Mais ouais, gros! C'est quoi ça? Attends, c'est pour l'expérience? Ah bah oui, gros! Mais il est énorme, lui! Ouais! Putain, mais regardez-moi ça, quoi, c'est... Putain, je peux même pas le ramasser, mon inventaire, il est plein. C'est un tourteau, le bordel! Il est énorme! Bon, on a des noix de coco. Oh là là, non, mais... Pff, yeah. Ah, le mec, il y a des îles partout, quoi. Je sais plus où donner de la tête, moi, là-dedans. Bon, il nous faut de la corde. On va faire le tour. Surtout qu'on fasse gaffe de pas tomber sur un serpent. Bon, visiblement, une grande île, mais j'aurais bien aimé aller voir ce qui s'y cache au milieu. Alors, il va y avoir aussi des cavernes à visiter. Bah, par exemple, voilà. Comme là, tiens. Quand on parle du loup. Ah, merde, putain, je suis plein. Vous voyez, des fois, on va avoir des petites cavernes à visiter, peut-être. Je sais qu'il y a des îles spécialement pour ça. En principe, si j'en crois les descriptions de certaines îles que j'ai installées. Il y a même normalement des cavernes sous-marines, donc à voir. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de cordes sur cette île. Attendez, mais ce serait énorme si on pouvait passer par ici. Oh, jour 4 survécu. Oh, ce serait tellement... Putain, si j'avais un lift, mon vieux, là. Zzzzt. À la scrap mécanique, quoi, pareil. Allez, monte, mon gars, putain. Oh, Je pense que j'ai cassé quelque chose. Ah, certainement une jambe. Il y a des chances. Je pense qu'on a quand même pas mal de trucs à faire ici, hein. Donc déjà, ce qu'on va faire... Voilà. Ça. Hop. Voilà, ok. Donc, de la corde. Voilà, hop, de la corde, il y en a là. Du bois, il y en a là. Une attelle. Et c'est parti. Ok, on est pas mal. Ok, de toute façon, on a à manger, on a tout ce qu'il faut, en principe. On va aller chercher le radeau. Ouh, ça, par contre, ça, je prends, ça peut servir pour faire des antidotes, hein. Ça, je pense qu'on va s'en débarrasser, les mecs. On va s'en débarrasser, clairement. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller là-bas, au niveau des coffres. Oh là là, et regardez ça, quoi. Là-bas aussi, il y a des... Oh là là, et derrière! Oh! Mon Dieu, Seigneur. Il y a tellement de trucs. Il y a 2 îles côte à côte, là, mais elles ont l'air énormes. 3 îles. Il y en a une autre derrière. Alors, attendez, on est niveau combien en construction, là? Niveau 3, c'est combien pour les bouées? Ça me dit pas le niveau. Alors, attendez. De toute façon, arrive un moment, je vais pas pouvoir tout prendre. Ça, c'est sûr, hein. Quoique, si on se fait des petites étagères sur le radeau... Il y a moyen qu'on ramène pas mal de trucs. Voilà. Ah, yes, je peux le faire, c'est cool. Voilà. Bah, nickel. Vous voyez, on commence à faire quelque chose de bien, là. Hein. Juste, j'avais trouvé des pneus tout à l'heure. Celle-là, là-bas aussi, a l'air énorme. Hein. Ouais. Oh là là, il y a une épave de bateau là-bas. Il y a l'air d'avoir une épave de bateau sur le sommet, si je ne m'abuse. Je sais pas. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. On va agrandir encore le radeau, hein. Je vais aller chercher les pneus. Ouh, niveau supérieur en aptitude physique. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ce serait bien que tu fasses le bateau de Pirates des Caraïbes.
Alors, le bateau de pirates des Caraïbes, le bateau de pirates des Caraïbes. Attends, tu rigoles ou quoi? Le bateau de pirates des Caraïbes, ça va être une barque à côté de celui qu'on va construire là, mon gars. Voilà, nous on va se mettre là. On a les pneus normalement. Ce serait bien qu'on fasse une ancre aussi. Voilà, hop, on va se mettre sur la plage. Alors, des pneus. Et ben voilà, mon gars. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, 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 non. C'était pas ça que je voulais faire. Je ne peux pas détruire ça. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. La navigation s'annonce rude de la façon dont je l'ai posée. Très rude. Ah bah voilà, c'est parfait. Les pneus, ils sont détachés, c'est nickel. Bah, tant mieux, c'est pas plus mal. Voilà, ils se sont barrés les pneus. J'aime autant. Oh, là il y a un coffre, juste ici. Un coffre ou quelque chose, en général quand il y a des bulles. Soit un coffre, soit une petite épave à fouiller, quelque chose. On va pouvoir se faire un petit abri. Les feuilles. Ok, donc, nous on vient d'où? Bonne question. Très bonne question. Je dirais pas de là-bas. Non, je dirais à peu près quelque part là-bas. C'est qu'on va la poser là. Je pense qu'on vient de là-bas. On va dormir. On se retrouve demain matin. Bonne nuit tout le monde. Ah, quelle belle journée qui s'annonce. Je dois trouver de l'eau. Bah tu m'étonnes. De toute façon, on a des rations dans le coffre. Mais en principe, voilà. J'avais vu une petite noix de coco ici. On va la boire. On va en boire une autre. Et puis dans le pire des cas, on prendra des rations. Ce qu'il nous faudrait, c'est ça. 3 planches. Ah yes, ça commence à faire jour. C'est parfait ça. Bon bah écoute. Okay. On va tout ranger et on va récupérer tous les coffres. On va faire comme ça et on va se barrer de cette île. Voilà, ok, c'est pas mal. Je suis assez blindé là. Et ouais, je pense qu'on va se barrer de cette île. Jour survécu 5. Le radeau de sauvetage, on va le laisser là. Ah, attendez, attendez. Oui, c'est vrai. J'avais vu un truc. Oh, il y a un requin juste à côté, quoi. Est-ce que tu pourrais dégager? Ce serait sympa. Oh, il doit y avoir un truc en dessous, mais franchement, j'ose pas y aller. Attendez, on va tenter de faire le tour. Oh, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, carrément. Oh, ça, c'est dangereux, ça. Oh, ça, c'est dangereux, ce que je fais. Non, 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 non. C'est beaucoup trop dangereux. Je remonte. Oh, putain, mais c'est des coups à rester coincés, ça. Quelle idée, quoi! Ouch! Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon. Tranquille. Ouais, ouais, non, 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 non. Ouais, trop dangereux. On se casse. Ouais, au final, vous voyez, il y a quand même des trucs à voir, il y a des trucs à visiter. Mais un petit peu trop dangereux par moment. Surtout que j'ai pas de bouteille d'oxygène. Je crois que je l'ai laissé sur l'île là-bas, il me semble. Bon, on a notre radeau de sauvetage ici. Où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va aller. Ah, celle-là, elle m'a intrigué là-bas aussi. Tu me diras celle-là aussi. Je pense qu'on va aller sur celle-là, là-bas. Bon, on laisse notre radeau de sauvetage ici. Mais franchement, on a ce qu'il faut. Toujours pas de Marie-Madeleine en vue. Ouais, je pense qu'on va d'abord aller à celle-là, là-bas. Là, je vous le dis, les mecs, c'est complètement freestyle, cette aventure. C'est improvisation totale. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cabane montée dans les rochers. Comme une espèce de maison troglodyte. Sauf que ça doit pas être ça, je pense pas. Là-bas, il y a une grande île aussi, avec une grande plage. Ok, ok. Ah, très sympa cette île. Très, très sympa. Regardez-moi ça. En voilà quelque chose d'intéressant. Ok. Oh, je vous ai dit qu'il allait avoir des petites cavernes à explorer. Hein. C'est marqué dans la description de certaines îles. Il y a des petits trésors à trouver. Et bah, regardez ça. Je me suis fait pincer par un crabe. Oh! Et bah voilà, mon gars! Je viens de trouver une petite cache au trésor, là! Oh! Ah bah lui, il a pas survécu, lui. Oh, ça, c'est pas mal. Une machette. Donc, je prends une gourde d'eau. Je prends une outre, plutôt. Une gourde en noix de coco. Ration. Je... non, 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 non. Une ration, mon gars. Eh, putain, puis il n'y en a pas qu'une, hein. Une lanterne. Non, il y a trop de trucs, vraiment. Ah, il y a beaucoup trop de trucs, les mecs. Ici, on va revenir. Je vais laisser ça de côté pour le moment. Je vais juste prendre le coffre. Mais en tout cas, voilà. Je saurai qu'ici, ici, on va revenir. On va faire du tri. Il faut que je fasse mon petit shelter. Ah bah, et regardez ça. Putain, il y a des trucs partout, quoi. On va déposer un petit peu tout ça. Ok, voilà, c'est déposé. Non, mais regardez ça. On est qu'au 2e épisode. Je suis déjà fou stuff, mon vieux. Laisse tomber, c'est un truc de ouf. Attends, de toute façon, on va retourner là-bas. Voilà. Voilà, déjà, ça, je prends. Ça, je prends. Bah, de toute façon, on prend tout. Hein. Ouais, même l'outil en pierre, on fera le tri de toute façon. Oh, une lance de pêche rudimentaire. Ouais.
Putain, c'est surtout les rations, quoi. Bah, les mecs, je vous le dis, hein, on manque pas à bouffer. On va pouvoir se faire des festins, mais je vous raconte même pas le délire. Voilà, hop. Ça, c'est posé. Qu'est-ce qu'on va poser? Tout. Voilà, et le reste, on va garder sur nous. Et on va aller faire un petit tour. Faut qu'on trouve un moyen de monter là-haut. Je pense qu'on va faire le tour de l'île pour commencer. Ouais! Il y a un radeau de sauvetage ici. D'accord, bah c'est très certainement à l'autre aventurier qui était là dans la grotte. Ah bah, il y a des chances. Est-ce qu'il a des trucs là-dedans? Ah bah oui mon gars, putain, il y a des rations et tout. Bah je prends. Ah, je vous l'ai dit les mecs, aventure épique est totalement inédite. Pèse dedans. Tu te calmes. Ne bouge pas. Enfoiré, j'ai... Putain mais... Il se fout de ma gueule en plus. Il se fout de ma gueule. Bon écoute, il me casse les pieds pour rester poli. De toute façon, on a à manger. On a des trucs à visiter là-bas. Ah, je pense qu'on va faire le tour d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, faut vraiment... Oh, oh, oh. Faut vraiment regarder partout. Parce que peut y avoir des cavernes sous-marines. Déjà là, on a des épaves à visiter ici. Donc tout dépend. Ce qu'il y a à ramasser. Ici, il n'y a rien. Et ici, lanterne tissu. Je ramasse. Oh! Je m'en fous! Je m'en fous. J'ai de l'antidote. En tout cas, je peux en faire. Oh! Vas-y, je regarderai ce qu'il y a dedans plus tard, hein, les mecs. Oh là là, puis on arrive en pleine tempête. Je me casse. On va continuer à faire le tour de l'île. J'aurais dû prendre le radeau de sauvetage pour faire le tour. De toute façon, on va se soigner après. Ça, c'est sûr. Ça va pas être un problème. On a ce qu'il faut. Je me demande même si j'ai pas déjà un antidote dans les coffres. Je crois pas, hein, mais par contre, j'ai ce qu'il faut pour en faire. J'ai des gourdes en noix de coco, j'ai des fleurs. Voilà. Là-dessus. Je pars plutôt sereinement, vous voyez. Comment monter là-haut? Peut-être qu'on peut pas monter, hein, tout simplement. Alors, ça m'étonnerait quand même qu'on puisse pas monter. Oh, voilà, attendez. Je crois que j'ai trouvé l'entrée. J'ai peut-être trouvé une entrée. Alors, attends, je suis à l'intérieur de l'île, là. On est en pleine tempête, les mecs. Ah, j'ai peut-être trouvé une entrée. Oh, mais regardez-moi ça, les mecs. Mais c'est jour de fête, dites-moi. Bah, écoutez, je prends, hein. Putain, j'ai déjà plus de place, quoi. J'ai déjà plus de place. Ok. On continue tout doucement à l'intérieur de l'île. Alors attends, je regarde au fond si des fois il n'y a pas des grottes sous-marines à explorer ou quoi. Hein. Oh là là, mais c'est énorme les mecs, c'est énorme. Ah bah voilà, regardez, on peut monter. On va pouvoir monter. Par contre, oh là là, par contre je suis pas très bien. Hein. Je veux dire, je suis empoisonné. Il est quelle heure? 18h02, en plus ça va faire nuit. Alors attends, on va y aller tout doucement. Hein. On y va vraiment tout doucement. J'ai pas envie de me péter une jambe en plus de ça. Voilà, on va y aller tranquille. Un pied devant l'autre. Pas de pression, tout doucement. Ah bah voilà les mecs. Voilà. Là déjà on est à l'abri. Putain, j'ai plus de place. Ok, il y a une échelle. Un coffre. Ah non, mais faut que je ramasse les mecs.
Ça dégage. C'est pas grave, on prend le coffre direct. Oh, il y a encore une porte en face là. Je sais pas où est-ce que ça va mener. En espérant que l'orage se calme. Je pense qu'on va monter. En plus, on a plutôt une belle vue de là-haut. Oh là là, et c'est énorme franchement. Moi je trouve que tout ça, vous voyez, il y a... T'as pas tout ça dans le jeu de base. Enfin, ça manque vraiment... Là par contre, c'est... J'ai envie de dire... Oh, écoutez, la tempête est calme, ça c'est cool. J'ai envie de dire, en termes de stuff, c'est presque trop, tu vois. Voilà, parce que si vous voulez, chaque île, entre parenthèses, est épique, tu vois, voilà. Sur chaque île, il y a des trésors à trouver, il y a des trucs à faire. On va très très vite se stuffer au final. Vous voyez, par exemple, au niveau de la nourriture, j'ai même plus besoin de m'inquiéter, quoi. Pour le moment, voilà, je manque de rien, quoi. Je peux me faire au moins un gigot tous les soirs avant d'aller me coucher, tranquille. Bon, écoutez, on va descendre tranquillement. La tempête s'est calmée, ça c'est cool. Il y a tellement trop de stuff à ramasser que j'ai même plus assez de place dans mon inventaire. Je peux pas tout prendre. Ah, les tonneaux, ça aussi, c'est bon pour faire pour agrandir le radeau. Bon, écoutez, on va descendre. Fallait peut-être pas descendre. Ah, ok, d'accord, je vois où est-ce qu'on est. On est au niveau... On est un peu dans la merde. Voilà. Je pense que vous voyez où est-ce qu'on est, là. On est là où il y a l'espèce de bonhomme qu'on a croisé tout à l'heure. On va descendre tout doucement, histoire de pas trop se casser la gueule, dit-il en sprintant. Ça va, tranquille. Par contre, rituel, on va construire une hutte pour dire qu'on est passé par ici. Et ouais, c'est les planches qui manquent là. Récolte, niveau supérieur. Regardez toutes les rations, et j'en ai encore dans les coffres. Et d'ailleurs, j'ai encore des coffres. Non, mais je pourrais jamais ramener tout ça sur mon radeau, les mecs. Ça commence fort, mais pas de la meilleure des façons, quoi. Voilà. Il me manque des planches. C'est juste ça qu'il me faut. Juste des planches. Impeccable. Donc, c'est quoi ça en face? Elle est bizarre, cette île en face. Ce serait pas le porte-avions, ça? Elle est chelou. À voir. Vous savez ce qu'on va se faire? Je sais ce qu'on va se faire, les mecs. Non, parce que je peux pas laisser tout ça sur cette île. C'est pas possible. On va se faire une plank station. Yeah, my accent English is very good. Oh, on va pouvoir la faire. On va pouvoir la faire. Ça va être tranquille. Corde, bûche, bois, marteau en bois rudimentaire et une hache perfectionnée. Tranquille. On va pouvoir se faire ça. On va tout rassembler. Ah oui, il faut que je pense aussi à me soigner. Bah, j'ai tellement de trucs à faire là. Cuir, outil, hache rudimentaire. On a tout ce qu'il faut normalement. Alors, toi mon petit gars. Espèce d'enfoiré, va. Il fait que ça de se foutre de ma gueule à chaque fois que je passe à côté. Tiens, j'arrive pas à l'avoir, quoi. Ouais, va falloir que je me soigne aussi. Oui, je sais, je dis ça depuis tout à l'heure. Je l'ai toujours pas fait. Surtout que j'ai ce qu'il faut, hein, mais... Voilà, c'est juste que j'ai des priorités, vous voyez. D'abord ma plank station, ensuite ma santé. Je suis très intrigué par ça là-bas. Je me demande si c'est pas le porte-avions. Le soleil commence à se lever. Putain, ils sont trois. Bouge pas que je fasse un arc, tu vas voir, toi. Tu vas au moins ricaner. Oui, oui. Oh bah tiens, t'es coincé toi mon vieux. Ah bah voilà. Hein? Alors, ça te les fait les pattes? Ah, il m'aurait fallu un couteau pour le dépecer. T'as de la chance, j'ai pas ce qu'il faut sur moi. Je vais emmener mon butin avec moi. Tiens, or, je te présenterai Marie-Madeleine, va. Oh, elle est pas vilaine. Tu vas bien t'entendre avec. C'est pareil, je sais pas où elle est celle-là. Ouais, elle doit pas être très loin à mon avis. Je sens l'odeur de la mouette fraîche. Et bah voilà mon gars. Hop, crac, c'est ça qu'il me fallait. Maintenant on va pouvoir faire des planches. Voilà. Voilà, et voilà. On va même en faire d'autres après. Et donc là, hop, je peux fabriquer ça. Et bah c'est nickel. Là, l'aventure va pouvoir enfin commencer. Crac! Voilà, maintenant, on peut faire ça, ça et ça. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Là, ok, là, on va pouvoir commencer à partir à l'exploration, vous voyez? Ça me manquait juste des planches, les mecs. C'était pas grand-chose, finalement, hein. Mais c'est les petits détails qui font toute l'aventure. Voilà, le mettre dans ce sens-là. Crac, nickel. Comme ça, je vais pouvoir ramasser tout le reste des coffres. Je vais pouvoir refaire des planches et tout. Bon, eh bien, écoutez, pas peu fier de cet avancement. L'aventure nomade ne fait que commencer. Mais où est Marie-Madeleine? Cette grande question qui trotte dans nos têtes. Toujours aucune nouvelle. On va s'arrêter ici la prochaine fois. Je n'oublierai pas de me soigner, bien entendu. Ça va, j'ai encore le temps. N'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo. Ça me ferait plaisir si celle-ci vous a plu.
Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Toujours, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir, vous pouvez acheter Stranded Deep via G2A qui se trouve dans la description. Et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde. À mon cochon. Rigole, rigole. Viens.